Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode 2 Lego Marvel's Avengers. Donc chers amis, nous avons une course à faire ici. Donc je pense qu'on va la faire. Hop. 1 minute 20 pour la faire. D'accord. C'est où? C'est où? C'est ici. Ok. On y va. C'est plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Toujours plutôt bien. Oh! Hé! On m'a bien vu passer dedans là. Oh mais merde. Hop. 50 secondes au lieu d'une minute 20, c'est parfait. Record battu. Bon. On va aller voir s'il y a pas autre chose dans le coin. Là, je vois un violet juste devant, là, regardez. Pile dans l'alignement. Qu'est-ce que c'est? Ça vous dirait de faire une balade officielle pour le film? Oh, on dirait un Iron Man. C'est pas le shotgun? Je me trompe peut-être. On va voir. Bonjour. On m'a confié une mission géniale qui consiste à rejoindre le désert pour récupérer une espèce de clé anglaise d'un autre monde. Je crois. Non, c'est le marteau de Thor. C'est Mjolnir. Bref, d'accord. Je me suis dit que si vous pouviez venir, ça pourrait être une chouette balade. Hein, vous en dites quoi? Bah écoute, on va y aller. Hein, Coulson, on t'emmène. Belle ta bagnole d'ailleurs. Oh là, elle est inconduisible sa caisse. Oh là là. Elle est complètement inconduisible. Boum. Dégage. Ah. Hop, dégage, je te dis. Lola commence à être à sec. Alors Lola, ça doit être une référence. Nous devons agir maintenant. Oh, d'accord. Hop, dégage. Oh, dégage. Oh, je pénètre un homme. Je vais dire un robot, mais non, c'est un homme. Ok, donc c'est pas le bon mec. Hop, ah, c'est stylé, ça remarque. Hop, les. Hop. Voilà. C'est complètement gore. Heureusement que dans le film, on va pas faire ça avec des humains. Hop, hop, bonjour. Crac. Comment ça fait mal tout ça? Dégage. Boum. Tiens, bouffe. T'es d'accord, c'est juste un coup qui est passé. Hop. Tu as fixé les règles, change-les. Effectivement. Raté. Bonjour. Voilà. Bonjour. Pénétration par vision. Ok, il est mort. Je crois qu'on est tranquille. En fait, ça arrive à chaque fois que je fais le plein. Finalement, c'est peut-être plus facile de prendre l'avion. Je sais que vous comptiez sur ce petit voyage. Tenez, de quoi vous dédommager pour le changement. Ah, c'est déjà fini. Ne vous embête pas, je vais acheter des beignets pour le voyage. Ça risque de prendre du temps. Ok, pas de soucis. Et donc on chope M40, enfin un Mark 40, pardon. Je fais de la merde, je dis de la merde. Hop, est-ce qu'on peut avoir accès au menu justement? On va aller les débloquer, c'est une armure d'Iron Man, merde. Où est-ce qu'elles sont? Là. MK40, Mark 40. Donc normalement, oui c'est shotgun. C'est bel et bien shotgun. Et donc c'est quoi ce... Elle est plus rapide? Visuellement, c'est particulier comme choix. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Il y a un violet mélangé à un bleu ici. C'est une voiture. Donc non, ça m'intéresse pas. On va aller voir plutôt par là. Je vois un violet qui est tout seul là.
Ça m'intrigue. Alors on va alterner entre les épisodes d'exploration et le fait de refaire, chers amis, le comment. Ah bah c'est un Iron Man en plus, tiens, comme quoi. Alors je ne sais plus c'est quoi ces trucs là. Pouvoir cosmique. Ah oui c'est vrai. Ah on a accès à de plus en plus d'armure, c'est génial. Et Ultron a accès à ce pouvoir, vraiment. Ok. Blam! Et on tombe et on récupère une armure Iron Man supérieure. Qui se place avec les autres armures? Non, même pas. D'accord, bon à savoir. Qui se place donc ici. Si c'est avec les autres armures, excusez-moi, c'est moi qui suis dans la colle. Il est où? Il est là. Oh, il est joli. Pas d'animation plus que ça. C'est juste le Iron Man supérieur que tout le monde connaît, d'accord. Ce qui correspond à supérieur Iron Man, hein, bien sûr. Hein. Qui est en fait un petit peu comme les Ultimate Spider-Man. C'est un peu ça en fait. Histoire que vous compreniez. On a une course à faire pour un scooter. Bah écoute, ça m'intéresse, j'ai envie de la faire. Hop. Pour un scooter, ça vaut toujours le coup. Connaissez mon avis quant à ce mode de transport. Le Python ou l'Anaconda, c'est toujours mieux. Même la Fédérale Corvette, si vous avez. Demandez à papa maman s'il peut pas vous la payer. Ou une armure d'Iron Man d'ailleurs. Hein. Vous pouvez voir que là, c'est beaucoup plus efficace qu'un scooter. Pourquoi se balader avec un scooter quand on a une armure d'Iron Man, hein. D'ailleurs, j'ai pas encore compris pourquoi Iron Man arrive à prendre l'avion. Hop. Si vous saviez à quel point ça me chatouille la moustache. Hop là, parfait. C'est l'aérocycle œil de faucon. D'accord, ok, si tu le dis. Si tu le dis. Un peu plus bas, on a quelque chose apparemment. Si quelqu'un va m'interroger sur mon passé aujourd'hui. L'agent Carter. Bon bah écoute. Bonjour. Le déguisement est parfois la meilleure arme d'un agent. En travaillant pour la. Mais t'avais pas Alzheimer toi? J'avais l'impression que mes collègues ne me voyaient pas. Mais en mission, le fait d'être discrète m'a souvent été très utile. C'est surtout le fait d'avoir été une femme qui t'a été utile plus souvent, hein. Soyons honnêtes. Hein. Ok, allons voir. Oh. Qui êtes-vous? C'est vous qui venez en renfort? On va vous remarquer comme un nez rouge sur la neige. Aidez-moi à suivre ce personnage louche. Faites attention. D'accord. Ok, bah écoutez, on va le suivre. C'est sympa la grande ville, mais ça vaut pas notre grande campagne. On va le suivre en douceur. Hein. Donc bah oui, on va alterner entre les épisodes comme ça, les épisodes un petit peu avec le fait de refaire le mode histoire. Pour récupérer un maximum de choses dans les niveaux. Donc je pense que ce sera un épisode sur deux. Hein. En tout cas, si vous souhaitez que l'aventure continue de cette manière. Sinon on met fin à l'aventure et on passe à une autre série. Hein. Bien entendu. Je compte bien faire une vidéo sur Crossout à un moment ou à un autre. Alors, en douceur. Si je voulais, je pourrais être tellement plus rapide. D'accord. C'est pour ces moments que j'aime mon boulot. Et pour arrêter les criminels. Beau travail. Vous feriez un excellent agent. C'est tout ? Parfois, le travail le plus difficile peut se résumer en une partie de cache-cache très compliquée. Je vais rapporter ces découvertes à la SSR. Et merci encore. C'est tout donc. Et là j'ai gagné un truc. J'ai gagné trauma. D'accord, j'ai gagné un traumatisme. Effectivement, ça me semble logique. Dit comme ça, je me pose moins de questions maintenant. Bon. Il y en a un qui est sur l'île de Striker. On va aller voir après tout, pourquoi pas. Hop. Par contre j'aurais bien pris un... non, pas celui-là. Tiens, c'est très grand ça. Ah oui, c'est parce qu'il veut pas, m'afficher le menu parce qu'il faut que je m'approche. Voilà, faut que je sois sur terre. Pour rentrer dans le casque. Voilà, c'est ça. Ok, et là il m'affiche pourtant pas. Donc MK43, Mark 43, Supérieur Iron Man, il me l'affiche pas donc. D'accord.
On va changer de personnage, donc on va passer sur... Hop, juste pour voir si ça marche. Non, ça change strictement rien en fait. Ok. La question est, vais-je pouvoir ressortir de ce de ce merdier? Allez, hop, voilà. Oula, tu prends une drôle de forme là, Iron Man. C'est bizarre. Ok. Je sais pas trop pourquoi c'est. Merde! Hop! Coulson qui nous parle, mais on en a rien à cirer! Alors, on fait des tours autour de l'île Striker. Enfin, de Striker Island. Hop! Elle! Bon. La musique de cette saga est vraiment épique. Je parle de la saga des Avengers. Scènes musique de personnages par contre sont beaucoup moins bien. Je trouve. Bon après malheureusement ça colle sans doute avec le fait que j'apprécie pas certains personnages. C'est fort possible en effet. Mais ouais. Ouais. C'est assez inégal au niveau de certains personnages. Pourtant qu'ils méritent leur belle musique. Encore un véhicule, mais ça commence à être saoulant tous ces véhicules. Remarque, une fois qu'ils seront faits, on tombera plus dessus. Hop. Oh mais non. Hop. 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 Non, c'est pas de la triche. Non, c'est pas de la triche. Oh, on peut passer dedans. Cool. Ah non. J'ai cru que ça allait être cool pendant un temps, mais non. Le jeu me dit, va te faire foutre. Et je lui dis merci. Non, je lui dis rien parce que j'ai pas le temps de lui dire. Non. Hop les. Ouh. Ok, ça nous fait plein de véhicules, génial. Et à part des véhicules, vous avez autre chose à me proposer, espèce de sagouin. Voilà, l'insulte. L'insulte suprême. Hop. Là, autour du bleu, il y a un truc. Je veux pas que ce soit une voiture, s'il vous plaît, pas une voiture. Putain, c'est encore une voiture. Un personnage, c'est possible ou pas? Ah, on dirait le Taskmaster, excusez-moi. Ouais, c'est le Taskmaster. Non. Non, c'est pas le Taskmaster. C'est, ouais, Moon Knight. Et vous n'êtes pas civil à plein temps non plus. Vous pouvez m'appeler Spector. Non, non. Spector. Je dois retrouver un indic dans le centre-ville. D'accord. Est-il de vous préciser que le centre-ville en question est un quartier dangereux et que mon indique est vraiment louche. Si ça vous intéresse, j'aurais besoin que quelqu'un me couvre. Venez. Hi bro. Ouais, c'est parti, on y va. Par contre, je vais prendre une armure qui est un peu... Bah non. Associé aime entretenir un certain mystère sur son identité. Ah, quel dommage. Il paraît qu'il dirige tout dans le quartier. J'aurais voulu prendre Hulkbuster, moi. Des lip dub, c'est quoi des lip dub? Oh putain, je sens que je suis en train de passer à côté de ma vie là. Boum. Ok, salut les mecs. Hop. Alors, où vous êtes? Ah, c'est déjà fini? D'accord. C'est dommage, mais pourquoi pas. Tiens, juste pour la forme, j'aimerais que ce personnage-là, ce soit plutôt... Cette ville a bien changé ces deux dernières... War Machine. On puisse voir ce qu'ils peuvent faire à deux. Ça peut être sympa. Hop, pardon de vous avoir écrasé, monsieur, enfin... C'est très volontaire.
Oh. C'est parti. Oh, c'est tout. Ok. Ah, ils font la même technique, c'est chaud. Ok. Oui, pourquoi pas. Par contre, toi, ça va pas me plaire s'ils font la même technique. Je préférerais encore avoir Pepper Potts. On va bien voir. On va bien voir. On va peut-être être surpris. Bah, parle-en à ton avocat, j'aime bien te rouler dessus. Pepper. D'accord, c'est la même animation pour tous les personnages qui n'en ont pas en commun. Ok, c'est cool. Bah alors, qu'est-ce qui arrive? Boum. Boum. C'est fini. Ou alors, c'est un méchant. C'est toi qui vois. Boum. Faut dire que je suis pas particulièrement gentil non plus. D'ailleurs, à ce sujet... Ah non, lui, il a pas, peut-être pas la, la, comment, le côté Iron Man. C'est toi, mon Nadik. Je comprends pourquoi on m'avait dit de faire pâte de velours. Merci, partenaire. Oh putain. C'est Monsieur Minou. Vous l'avez mérité. C'est Monsieur Minou, chers amis. Oh putain. C'est Monsieur Minou. Au nom de Dieu. Je vais rester dans ces armures-là, comme ça, ça peut être le plaisir de pouvoir continuer à jouer avec et de pouvoir faire ça. Et on va prendre, hop, shotgun. Comment qu'il apparaît? Wow! Oh la gueule! Te calme. Merci. Wow, c'est stylé. Oh que j'aime ça, chers amis. Hop. C'est une voiture rouge, on va la faire. Encore une course. Hop. Hop. Ça passe plutôt bien. On triche un peu parce que ça passe quand même, mais c'est du pilotage, hein. Oh là. Hop. Et c'est une victoire en moins de 30 secondes, chers amis. Parfait, on a récupéré Lola, c'est la voiture de Coulson. Génial, j'ai pas percuté en fait, oui. Effectivement. Hop. Je vous rappelle que vous pourrez plusieurs fois, à plusieurs moments de la vidéo normalement, répondre à un sondage, chers amis. Faut que je pense à le faire. Regardez bien en haut à droite de votre écran, de toute façon vous le verrez. Le petit point. Et je crois même que quand vous bougez la souris, vous pouvez le voir et répondre directement quel que soit le moment de la vidéo. Donc il y a un sondage en cours, chers amis. C'est quoi ça? C'est ici. Ah bah le voilà, le Taskmaster. Tout à fait. Vous voyez, j'avais raison de le trouver, qu'on allait le trouver à un moment ou à un autre. On m'a dit que ce jeu de danse était dur, mais j'ai déjà maîtrisé toutes les séquences. D'accord, oui, c'est normal. C'est son pouvoir. Vous croyez pouvoir relever le défi? Il va vous falloir une mémoire photographique pour réussir cette mission. Et idétique, pas photographique. On y va. Voilà. C'est bien ce type de jeu. On devrait augmenter la difficulté. Hop. Bleu. Hop. Peux-tu te pousser s'il te plaît? Alors, attention, pas se tromper. Je crois en avoir oublié un. Hein. Non, c'est bon, je l'ai eu. Je dirais que vous aussi, vous avez un don pour imiter. Merci. Les perpas vous ont permis de réussir le défi. Je dirais même que vous avez maîtrisé cette tâche. Taskmaster, maîtriser la tâche. Maîtriseur de tâche, littéralement. Parfait. On a récupéré Taskmaster. Toujours ça de prix. Bon.
Ici on a autre chose. Oh, c'est comment Bah c'est le vrai, chers amis, c'est le... Alors, c'est-à-dire qu'en fait, là on a celui du prochain film. On a le comment Doctor Strange du prochain film. Donc joué par Benedict Cumberbatch, qui est assez génial. Et là on a l'original. Vous l'ignorez peut-être, mais le sorcier suprême était jadis un petit neurochirurgien. Jusqu'à ce qu'un accident me prive de mes mains et que je sois réduit à faire des opérations clandestines pour m'en sortir. Cependant, le cerveau n'est pas une chose à manipuler d'une main molle, et certains de mes patients ont fini légèrement défragmentés mentalement. Oula. Le sorcier suprême a la capacité de les guérir. J'ai juste besoin d'aide pour les trouver. D'accord, pas de soucis. Allons-y. Allons-y, allons-y. Les patients dont j'ai parlé sont facilement reconnaissables. C'est simple. Ils se prennent pour des animaux de la ferme. D'accord. Pour des animaux de la ferme. Ouh, elle a pas l'air bien, le pauvre garçon. Il se prenait pour un âne. Ce qui n'était pas très très loin de la vérité, j'imagine, mais... Non, c'est en dessous. Oh, cote. Oh là là, top. Non, saute pas. Oh putain. C'est exactement ce que je voulais éviter, chers amis, mais bon, c'est pas grave. Bonjour. Oh putain, il est dans un arbre. C'est une vache. Oh non, de Dieu, c'était une vache. Quelle horreur. Cette mission est débile. Alors le manoir de Doctor Strange, d'accord, en fait on était devant, j'ai pas percuté. C'est con pour moi. Hop. J'ai pas vu le Baxter Building, remarque. Je m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus. Un cochon. Bonjour. D'accord. On va retourner voir Steven. Ou c'est Steven ou c'est Stephen Strange? Je sais plus. Stephen Strange peut-être. Les patients dont j'ai parlé sont facilement reconnaissables. C'est simple. Ils se prennent pour des animaux de la ferme. Soyez à l'affût et je parie que... Non mais c'est bon, je les ai déjà... Oui, ils sont tous là. Merci mille fois. Enfin, je peux corriger les erreurs commises dans mes moments d'égarement. Au pire, je peux les déguiser et ouvrir une sorte de petit zoo. Je pense que je pourrais me faire pas mal d'argent. Tu as raison. Ne vous en faites pas. Tu as raison, ouvre ton petit zoo. Je blague, bien sûr, au sujet de mon zoo. Oui, je ne suis pas étrange à ce point. Ah, c'est Docteur Strange, je ne suis pas... I'm not that strange. Oui, oui. Pourquoi pas. On va aller le débloquer. Il le mérite. 450 000, il fait mal au cul celui-là. Hop, on a presque plus de sous, hein, de toute façon. Hop. Qui part sa force. Ah, c'est lui qui est... Par contre, ça aurait été bien de viser le camion en question. Voilà, merci. Putain, ça rapporte, dis donc. Ok, merci Coulson de ton soutien, en tout cas c'est vraiment sympa. Je ne pensais pas que vous réussiriez, mais bien sûr. Ça m'arrive si souvent que ça d'échouer. Non, ne répondez pas à la question, chers amis. Non, vous allez arrêter de répondre à la question. Bon, on va prendre une voiture, pour la peine. Iron Man en voiture. Ah, voiture Simon. Attendez, je crois qu'il y a la moto de... Il y a la moto de... Comment de... Attendez, il y a la moto... De Black Widow. Hop. Hop. Oula. Oula, le jeu qui nous fait un lag de la mort. Sur une tour qui est censée ne pas avoir le moindre lag, je rappelle que je vais tourner Far Cry Primal à 60 fps en full HD avec les textures HD pour votre plus grand plaisir, chers amis. Bien que vous ne soyez pas très nombreux à regarder la série, ce qui est vraiment dommage.
Je comprends que la hype soit descendue à cause des problèmes de tour, cependant. Hop. Aïe, je me suis cogné la tête, c'est pas grave. Tang. Hop les. Moto de Black Widow, voilà, c'est bien ce que je disais. De toute façon, on n'aura sûrement pas assez de crédit pour se payer une moto, j'imagine. Ici, il y a quelque chose. Oh putain, mais encore un véhicule. Ah, c'est le Squirrel Copter, je crois. Enfin, je sais pas comment ils vont l'avoir traduit, par contre. Je sais pas comment ils vont l'avoir traduit. Je sais pas du tout comment ils vont l'avoir traduit. Hop. Je me demande comment ils vont l'avoir traduit. L'écurocoptère. Oula. Le pire, c'est que j'entends ma carte mère travailler à chaque fois qu'il y a un lag. Hop. Non. Quelle horreur. Juste devant la ligne d'arrivée. Oups, c'est bon. Le Squirrel à gig, d'accord. Je te le dis. À tes souhaits. Pas de problème, ça me dérange pas. Oh, Captain Marvel. Non, c'est pas elle. C'est qui elle? Si, si, Miss Marvel, pardon. Captain Marvel, c'est un autre. C'est dans une autre. C'est dans d'ici. Honte sur moi. D'accord. Je joue pas au super-héros, je suis Iron Man. Ok. Des crocos laser. Hop. Ouais, 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 ça serait pas mal de me le dire plus tard, effectivement. Non. Sale bête. Hello. Waouh, j'ai presque de la peine pour ces horribles bêtes. Peut-être qu'elles dorment en petits morceaux. Certains animaux font ça, non? Est-ce qu'elles dorment en petits morceaux? Bien sûr. Non, personne ne fait ça. Moi si, ça m'arrive de temps en temps, mais... Je vous dirai pas comment. Hop, on a donc débloqué... Reptile. Où est-ce qu'il est placé? Celui-là, tiens, on va aller le débloquer. S'il nous reste suffisamment de crédit. On va aller le chercher. Hop. D'accord, il est magnifique. Wouah, ses ailes, je connais pas. Mais il est stylé. Mais il est d'un style. Regardez-moi ça. Oh, il est stylé. Oh là là. Pour notre Iron Man, oui, toujours. C'est parti. À la demande générale d'au moins 4 autres agents du Shield, j'ai décidé de créer un calendrier Lola. Oh. Une photo encore plus glamour que la précédente. D'accord. Dès que j'aurai la dernière photo. Il paraît que les selfies avec Hulk sont à la mode. Quoi de mieux pour terminer mon calendrier qu'une photo de ma beauté préférée avec mon machin vert favori. Mon machin vert favori. L'emplacement idéal. C'est parti, Lola. D'accord. Ok, on y va, on va rouler avec le là. Quoi? Bah, je suis en train de faire une mission pour toi. Vous avez raison. On peut faire mieux que ça. Effectivement, oui, on peut faire mieux que ça. Hop. Où comptes-tu nous emmener? Bon. D'accord. Non. D'accord, c'est à vous de voir. Où est-ce que ça va être? Oh là là, ça m'inquiète cette histoire. Enfin, m'inquiète dans le bon sens, je veux dire, ça va être débile. Ah, vous me dites si vous avez la gerbe, chers amis. Hop.
On a de la compagnie. Putain, il se défend pas en volant. Il se défend pas en volant. C'est le seul à pas se défendre en volant. Hop. Ok. Le problème c'est qu'on peut plus changer d'armure maintenant. Mais non, mais tu vas arrêter, oui. Hop. Hop. Et vas-y. Ah, bla. Non. Qu'est-ce que... Il s'en va. Il fuit. Coulson fuit. Non, ça va. Hop. Oh, des crédits. Un bon endroit. Minute. Non, il y a des fientes. Oh! Et en plus, il est difficile, le garçon. Personnellement, je dis pas non. Mais t'aurais pas pu m'emmener avec toi? S'il te plaît. S'il te plaît. Vite, arrêtez-les avant qu'ils abîment la peinture. Oups, pardon, excuse-moi, j'ai tiré dedans. Ok. Arrête de bourrer, Iron Man! Vise précisément! Hop là! Hop, voilà. Et on est reparti. Cette mission dure 10 plombes. Et je sens qu'on va pas la... utiliser beaucoup l'armure qu'on va avoir. C'est le pire en plus. Ou qu'elle va pas être particulière. Oui, je crois qu'on a l'endroit parfait. Amenez Hulk et on fait la photo. Bah écoute, on va amener Hulk. Quel Hulk par contre? Celui-là. Hop là. Yo! Non, pas comme ça? C'est mieux là? Salut mon pote! Selfie! Excellent! Oui, cool! Celle-ci sera pour la couverture. Je pense que ce calendrier sera peut-être encore mieux que celui que l'agent il avait fait. Celui sur ses pizzerias préférées. Si... Ouh, j'ai eu peur. Enfin, non, j'ai été intéressé, il se passe un instant. Moi. Ok, merci. Et donc, on. Silver Centurion. D'accord. J'imagine qu'elle va nous coûter la peau du cul. Ah non, ça va. Elle a son backpack. Elle a ce qu'il faut. Elle a le pack qu'elle est censée avoir. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Bon. Par contre, où est-ce son... D'accord, elle a pas les facultés qu'elle est censée avoir, cependant. Peux prendre ta voiture, s'il te plaît? Non, je ne peux pas. Quel dommage. Quel dommage, quel dommage, quel dommage. Bon. Oh, c'est vraiment fantastique. Ew. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Restaurant dans lequel j'avais le poste de chef, il a disparu en un clin d'œil. C'est bête. Mais n'ayez crainte, le grand Fin Fang Foom reviendra dans l'univers culinaire pour son nouveau projet. La fabrique de frogourtes frais, facile et franchement fantastique de Fin Fang Foom. Oh putain. Il faut quelques ingrédients pour commencer. Et un nom plus percutant. Tout à fait. C'est parti. On cherche quoi? Dépêchez-vous. Oh. Fais chier. J'aime pas ces quais de FedEx. Ok, en plus on va saccager des restaurants pour récupérer son bordel.
Bien. On sent le respect de l'art culinaire, justement, hein. Où c'est que c'est? C'est par là. Effectivement. Banane. Banana. Ok, la suite. Et calme-toi, Iron Man. Pizzeria, y a rien dedans. Banane. J'ai dit banane. Putain, j'ai dit banane, mais... Putain, j'ai dit banane, merci. Une pomme. Ah mais... Ok. Du lait. Du lait de vache d'ailleurs, hein. Du lait de vache, chers amis. Faut penser à le préciser maintenant. Oui, bah écoute. C'est pas prêt de le rattraper, donc c'est pas grave. Ah, c'est là, d'accord. Je les avais pas vus il y a 2 secondes. Hop. Parfait. On va passer par là, on va gagner du temps. J'imagine. Ah, restaurant. D'accord. On va de nouveau... Non, c'est une épicerie. Pardon, excusez-moi, c'est une épicerie. On peut se permettre de la saccager. Pas le restaurant, mais l'épicerie, oui. C'est débile. C'est débile. On continue. Pourquoi ça traîne comme ça? Trouvez-moi ces ingrédients avant de vous prendre un coup de spatule. Ouh! Quand il a commencé à faire sp... J'ai eu un doute sur ce qu'il allait dire. C'est ici. Hop, voilà. Plus que 3 ingrédients, chers amis. C'est une banque en fait, c'est des symboles S partout. Des symboles de l'art partout, on est d'accord. C'est une grosse grosse banque. Mais par contre, faut que je monte. Bon, on prend l'ascenseur. Hein. Ok, c'est où? Encore plus haut? Une banane? Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle fout là, cette banane? J'annonce, j'hésiterai pas à chuter. Ok. Ok, c'est ce que vous voulez. Ma mort. C'est parti. Bonjour. Hop. Une banane. Et la dernière brique de lait, chers amis. Hop. Tout ça pour avoir une espèce de dragon. Fing fang foom. Mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Et on va y aller. Enfin non, on va se poser bien quand même. Merde, c'est Iron Man. Voilà. Oh non, mais je veux pas t'entendre dire ça à nouveau. Tous les projets à succès. Une fois le premier frogourt fabriqué, tout le reste se mettra en place. À condition que mon prêt me soit accordé, bien sûr. Comme beaucoup de monde, malheureusement. Parfait. Fing fang foom. On va aller le débloquer maintenant, histoire de voir si ça peut être rigolo de l'avoir. Combien qui coûte, attention. 250 000 crédits, on peut pas le débloquer. Génial. Bon, bon, bon. C'est con. Tiens, on va appeler Silver Centurion une fois qu'on l'aura renvoyé. Déjà, si on appelle Supérieur Iron Man. Voilà. Supérieur Iron Man, en fait, est un Iron Man. Normalement, je crois que c'est après qu'il ait pris l'Extremis. Si je me trompe pas. Je sais plus. Je sais plus, à vrai dire. En tout cas, Supérieur Iron Man, le voilà. Silver Centurion, voilà. Elle ne vient pas. T'es en retard. Passe très très mal cette armure. En transformation. N'empêche qu'une des plus stylées reste
celle-ci. Yon. Mion. Yon. Arrête-toi. Voilà. Bon. Bon, il n'y aura plus qu'à repérer Coulson pour repérer, enfin, choper les dernières armures. En tout cas, les armures transformables comme ça pour voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Cool, cool, cool. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode, je pense. Merci de l'avoir regardé. Le prochain sera normalement basé sur le premier niveau du jeu en mode libre. Merci d'avoir regardé celui-ci. En tout cas, n'hésitez pas à le pouce, vérifier, le commenter, le partager, vous abonner, répondre au sondage, rejoindre le groupe Steam Joie de la Playroom. Et moi, je vous redis à nouveau merci pour avoir regardé la vidéo, simplement. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Un jour, j'arriverai à faire une outro correcte. Ce serait sympa, hein. Ce serait vraiment sympa.